Le collectif des administrateurs maires de Pointe-Noire, conduit par le doyen Zéphirin Guy, a initié, voilà des jours, une rencontre citoyenne avec les responsables de la force publique et des marchés de Magnaux, sans oublier les chefs de quartier relevant des différentes circonscriptions administratives de Pointe-Noire. Objectif affiché, réfléchir et analyser ensemble les problèmes communs aux 6 arrondissements de la place. Envie bien sûr de trouver des solutions salvatrices. Nous nous sommes tous mis dans le même lieu pour communiquer. Communiquer pour le coronavirus, pour la vaccination. Et surtout, l'assainissement de nos marchés publics. Le respect des jours de fermeture de marché. L'occupation du domaine public. Parce que notre domaine public devient tellement agressif. Il y a des marchés parallèles qui se créent au détriment de la recette municipale. Voilà pourquoi nous avons décidé de nous regrouper en synergie. Cette initiative qui rentre désormais dans l'histoire des 6 arrondissements de la commune de Pointe-Noire aura permis de sceller un pacte de confiance et de solidarité. D'abord entre les administrateurs maires et ensuite entre la tutelle et ses collaborateurs, puisque les décisions sorties de ce cadre de concertation ont été bien accueillies. Les initiatives prises par les 6 maires d'arrondissement, nous pouvons être très contents, on peut être satisfait de ce qui va se faire, pourvu que réellement ça se fasse. Ensuite, les chefs de quartier ne peuvent pas être contre le droit, les chefs de quartier sont des collaborateurs, donc qui obéissent à la hiérarchie. Après cette communication importante faite en l'endroit des agents de la force publique, des régisseurs et collecteurs des marchés de Magnaux, sans compter les administrateurs de proximité, cet appel servira certainement de déclic pour le bon rayonnement des 6 arrondissements de Pointe-Noire.